Ça, c'est mon premier championnat du monde qu'on a gagné en 2012. C'était en République tchèque. À 19 ans, Catherine Dubois a déjà l'habitude des grands tournois de hockey. Son chandail de l'équipe canadienne, elle l'enfile régulièrement. Alex, a mis ta bibliothèque. Sauf qu'à la veille de Noël, l'enjeu est un peu moins grand. Le numéro 19 replonge en enfance. Est-ce que je ne m'aimais pas avec maman, là? Je sens que ça va être un gros match. Papa fabrique les buts et assure la mise au jeu. OK, Léo! Juste être dehors puis faire le sport que j'aime avec ma famille, je sais pas, c'est les deux choses que j'aime le plus au monde, ma famille puis le hockey. Sur le terrain de jeu improvisé, devant la maison de Lac-Beauport, l'attaquante des Titans du Cégep Limoilou a visiblement du plaisir. Cet automne, elle a été identifiée comme espoir olympique pour 2018 par Hockey Canada. J'ai été flattée vraiment, là, ça a été un peu une source de motivation que j'étais allée chercher. Je me suis blessée cet été, puis après une blessure, des fois c'est dur de retrouver la motivation qu'on avait. La maman de Catherine, hockeyeuse d'un jour, reconnaît son talent. Hey, j'ai des bonnes mains, hein? Mais surtout, celui de sa grande fille. On la voit aux Olympiques, nous autres, notre fille, c'est certain, là. À part l'équipe nationale, l'équipe olympique, c'est le seul but qu'ils peuvent se fixer, puis je pense que c'est une récompense pour Catherine. Habituellement, la rue est encore plus animée, car la famille Dubois, c'est 5 enfants. Aujourd'hui, Alexandre est le seul frère à jouer du coude avec sa sœur. Travaillante, alors jamais, c'est quelqu'un de persévérant. Ma sœur, c'est vraiment, c'est mon modèle à moi. Le 27 décembre, Catherine s'envolera pour l'Allemagne afin de représenter le pays à la Coupe des Nations. Je vais amener la joie. Je pense que je suis quelqu'un qui aime, qui apprécie la vie puis qui est toujours souriante puis tout ça. Puis je vais amener ce que je suis capable de faire. Je suis une grande joueuse. Grande physiquement avec ses 5 pieds 10 pouces, mais aussi sur la glace. Avec les Titans cette saison, elle a une fiche de 12 buts et 16 passes en 16 matchs. Marque finale pour aujourd'hui, 5-4 pour Catherine et son père. L'équipe adverse a quelques jours pour prendre sa revanche. Ici Mireille Roberge, Radio-Canada, Lac-Beauport.